Alors bonjour, maintenant on a l'habilité d'ajouter un record dans notre base de données, par exemple ici, comme on a dit, le nom, là, ici le nom, et ici le prénom de notre utilisateur, ici l'âge, ben, ici notre email at exemple.com, juste pour tester, donc voilà, donc on est bien d'accord qu'on peut ajouter dans la base de données. Maintenant, c'est le temps de ajouter du bouton. Et la première des choses, si on va supprimer un enregistrement de la base de données. Donc, notre code, c'est toujours comme ça. La première des choses, ce que je veux faire, c'est de commenter ce bien connecté. Comme ça, on ne va plus l'avoir. C'est très bien. Alors, maintenant, dans notre table, je veux ajouter une autre thread ici où j'appelle action. Et dans les actions, ici, je vais avoir une TD où je vais avoir un attribut A qui va me supprimer, par exemple, supprimer mon record. Voilà, donc ici, si je fais comme ça, j'ai action et j'ai supprimé. D'accord, je vais ajouter juste un peu de style de bootstrap, donc btn danger. D'accord, j'enregistre et voilà, donc j'ai supprimé ici. Maintenant, c'est le temps de commencer à avoir du PHP. Alors ici, je vais aller dans index.php et faites point d'interrogation, delete ou bien del, quand vous voulez, ou bien sup. On va faire supprimer, sup, égal. Bah ici, égal du PHP. Je vais fermer le PHP et je veux copier-coller le écola. D'accord, alors maintenant je vais faire juste le nom pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça donne. Alors si par exemple je vais actualiser, si par exemple je mets mon curseur ici, vous voyez ici en bas, vous verrez le nom. Alors ici sup égale le nom, bien sûr le nom sup égale Nordin. D'accord, si je clique, vous voyez que je navigue vers index.php, sup et Nordin. Mais nous, ici, on va travailler avec l'ID. Et l'ID dans la base de données, c'est ID underscore user. Très bien. Donc ici, je veux fetcher ID underscore user. Maintenant, j'ai l'habilité. Si je fais sup ici, vous verrez l'ID 27. Ben ici, bien 27. D'accord? L'autre, c'est 29, donc 29. Très bien. Alors maintenant, il me faut juste à faire une requête de suppression. Donc, delete. Donc, je vais faire delete from user where. Where quoi? Where id user égale id qu'on va l'appeler. Donc, la première des choses, en haut, je vais créer un commentaire et je vais faire supprimer un utilisateur. Utilisateur, d'accord. Voilà, donc la première des choses, je vais faire if is set. Ça, si quelqu'un a cliqué sur ce bouton là, donc visit dollar underscore. Ici, on va utiliser get, d'accord, parce que je vais amener le bouton sup. Voilà, ouais, on a bien appelé ça sup. Donc sup, si quelqu'un a cliqué dans ce bouton là, voilà ce que tu vas faire. Tu vas premièrement amener, bah, il a fait déjà un autocomplete, mais on va l'écrire. Donc tu vas tout d'abord créer une variable que tu vas appeler id. Tu vas faire appel à dollar underscore get notre sup. D'accord, voilà, c'est point virgule à la fin.
Donc, tu vas faire appel à ce variable, celui-là. Donc, tu vas faire appel à sup d'ici, sup c'est 29. Tu vas le stocker dans l'ID là. Très bien. Donc, maintenant, si je clique ici dans 29, l'ID 29 ici va se stocker dans cet ID là. Maintenant, on va créer une requête. On va utiliser bien sûr la prépare et exécute. Donc, on va faire ici $SQL. On a déjà fait SQL 1, donc SQL 2 égale. Et on va faire delete from user where ID user. On n'a pas besoin de ça. Where ID user égale. Et au fait, entre guillemets, le $ID. D'accord? Le $ID maintenant, c'est 29. Il est dynamique, soit 29, soit 21, soit. Donc, la base de données. Au fait, comme ça. Et au fait. Dollar, supprimer, connexion, exécute, ou bien vous faites prépare et tout ça. Donc, on va préparer notre requête et on va l'exécuter. Donc, copier coller. Et ça, on va l'appeler juste comme ça. Delete user. Juste pour distinguer nos requêtes. D'accord? C'était delete user. Maintenant, voyons voir, tester ce que ça va donner. Bah, normalement, si je clique ici, ah, qu'est-ce qu'il a dit? Le variable SQL, ah, variable SQL n'existe pas. Oui, parce qu'on va préparer SQL 2. Très bien. Reviens. Alors maintenant, sup. Bah, ici, parti. Mais il n'a pas supprimé tout de suite. Donc, on va résoudre ce problème en utilisant un header. Donc, en PHP header, ça veut dire aller vers. Donc, on va faire ici location où il va y aller. Il va y aller à index.php. D'accord? Point virgule. Dès que je supprime, alors je veux actualiser ma page. Si je supprime, il va supprimer automatiquement. Alors, c'est mon nom, mon prénom, mon âge et mon email. Grave, autre nom, test âge, test at example.com. Donc, ajouter. Maintenant, si je supprime, il va supprimer automatiquement. Et c'est ça le but de cette vidéo. À la prochaine, on va voir comment faire éditer nos enregistrements.